C'est ça, voilà. Comme lors de cette séance, le staff de la GIA n'a cessé de demander cette semaine aux joueurs auxerrois un engagement total. Il reste encore deux rencontres pour assurer le maintien en Ligue 2, mais le message est clair, en finir au plus vite dès le prochain match. On va vraiment à Grenoble pour finaliser notre maintien, on ne veut pas attendre la dernière journée pour cela. On sait qu'on a notre destin en main, on a envie de... Et on s'est préparé toute la semaine pour aller choper le maintien et être tranquille à la fin de journée. La GIA n'est pas encore sauvée, mais a donc son avenir entre ses mains. L'équipe occupe la 13e place au classement et compte 2 points d'avance sur le barragiste. Le calendrier est plutôt favorable. Auxerre se déplace à Grenoble avant de recevoir Valenciennes pour la dernière journée. Une victoire vendredi et tout serait joué. Il est très 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 important. Il peut être capital. Et donc il faut l'aborder comme tel. Maintenant, il restera un match derrière, ça c'est une vérité aussi, qui vaudra autant de points. Et ça ne sera pas fini derrière si c'est négatif, mais ça peut être fini si c'est positif. Signe de l'importance de ce match contre Grenoble, les Auxerrois partiront dès jeudi matin pour l'Isère et s'entraîneront le jour même, une dernière fois sur place.